normalement, j'espère que ça va me faire pousser des lèvres, des lèvres, c'est pas bon. Là, j'ai planté de la fillette, c'est pas trop quoi. Ah, je sais pas si c'est marqué pour la bouteille. Voilà, coucou tout le monde, ça y est, j'arrive. Du coup, ça devrait être bon, je vois qu'on voit tout, le tapis, c'est parfait. Donc j'espère que tout le monde va bien. Dernière semaine, j'espère du coup que en live. Voilà, à partir de la semaine prochaine, il y aura les deux. Donc il y aura le live et du coup les séances sur... au plan d'eau, apte. Donc j'espère que vous avez pensé, pour ceux qui sont intéressés, à remplir le sondage. Le planning va être changé, va être modifié, étant donné que ben, on va reprendre un planning, je dirais, plus ou moins normal par rapport aux séances qu'on avait au départ. Du coup, par contre, comme on est limité à 10 personnes, il va y avoir deux créneaux, un à 18h30, un à 19h15. Ce sera à chaque fois la même séance. Idem pour les cours du matin. Il y aura deux créneaux à chaque fois, un à 9h30, un à 10h15. Voilà, donc c'est important que vous puissiez me remplir le sondage parce que les personnes qui vont venir, je fais vraiment en fonction de vous. Donc jusqu'à ce soir, je laisse le sondage, demain matin je fais le point et je vous remets sur Facebook le planning qui aura à partir du 11 mai s'il n'y a pas de changement au niveau du déconfinement d'ici là. Voilà, voilà. Allez, donc c'est parti. Maman, je te vois aujourd'hui. Ma mère me dit, oh, je te vois, tu me dis jamais que je suis là. Je te vois aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, Jacqueline n'a pas de réseau ce soir. Bon. Hop. Allez. Ça marche, pas mal. Voilà. Go, go, go! Hop! La bonne musique. Workout Music Source. Everybody in the place. Les épaules, une de chaque. Hop, vers l'arrière. Allez, en même temps que vous marchez. Dans l'autre sens. Allez, même chose. Hop. On continue la marche, tranquille. On envoie les bras devant et derrière. Les pieds devant et derrière. On allonge toujours le dos. On se grandit et on va commencer à se concentrer sur le maintien au niveau du ventre. Aspiration du nombril, contraction du périnée, même chose. On accélère pour les bras. Hop. Allez, on prend et ramène les coudes derrière. Allez, encore. Hop. Si pour vous, au niveau des épaules, c'est compliqué, bah, c'est tout pareil, vous faites des petits bras, des petits mouvements de bras. Sinon, vous essayez de monter à la hauteur des épaules et on tire les coudes derrière. Allez, encore. Et hop. Inspire devant, souffle quand vous allez derrière. Et on tire bien les coudes pour ouvrir la poitrine. Même chose sur les côtés. Hop. Allez, devant. Et on tire les coudes derrière. Même chose pour vos épaules. Si on a mal, on descend un peu. On fait des mouvements plus petits. Allez, encore 4, 3, 2. On enchaîne step touch. En mouvement ferme. Hop. On descend un petit peu plus bas. Flexion au niveau des jambes, les pointes de pied sur les côtés. Et genoux ouverts, les bras en bas. Allez, même chose que tout à l'heure. Devant, et on tire les coups derrière. D'accord ? Et la même chose. On se grandit. On commence à maintenir face à l'abdominal. Le maintien du périnée, top pipi, top gaz. Ouvrez les coudes, côté. Allez, encore. Droit devant. Et toujours, tirez les coudes en arrière. Hop. Encore. Et relâchez vos bras. Allez, hop.
sur les côtés. On relâche les bras, on descend un petit peu plus bas sur les jambes. Talons fesses, attrape. On croise devant, flexion au centre et on va mettre le talon derrière. Deux de chaque. Un, deux, un et deux. Encore. Yes. Pensez à la flexion au niveau de vos jambes. Remettez bien le poids du corps au centre à chaque fois. D'accord ? Ce qui arrive souvent, c'est qu'on reste sur la jambe et on est légèrement penché. Là, le but, c'est à chaque fois, on s'appuie sur sa jambe qui est bien au sol. Et hop, 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 hop. Encore. Un de chaque, on reprend. Allez, on descend plus bas. Même chose. On reprend les bras devant. Des coups de serré avec les talons fesses. On fléchit, on pense au dos, on maintient tout. Des coups ouverts. La même chose. Et hop. Fléchissez bien. Si on a mal au genou, on descend un peu moins. Encore une 4, 3, 2. On referme la marche. Genou un de chaque. Genou, genou. On se tient droit. Laissez largeur des hanches. On lève le genou le plus haut possible. Si ça tire, hein, toujours pareil au niveau de manche, pas du haut. Tout le monde, hop, on vient ramener les bras en direction du genou qui se lève. Encore. Hop. On pense à son maintien. On allonge la colonne. Yes. On reste à droite, toujours le même. Allez, hop. On ramène le genou en souffle. Si on veut, on peut allonger davantage les bras. Ça, c'est des options supplémentaires. Qui dit bras? Qui dit essoufflement, un peu plus. 4, 3, 2, on change. Allez, hop. La même chose, les bras plus ou moins hauts. Grandissez-vous. Allez, encore 8, 7, 6, 5. On maintient tout. 4, 3, 2, on reprend. Un de chaque. Et hop, hop. Les bras plus ou moins hauts. Allez, encore. On souffle, on ramène. Et encore. 4, 3, 2, step touch. Et ferme. Allez, très bien. Allez, encore. On va rester au centre. Donc, on vous revient les jambes. Les pieds jusqu'à l'extérieur. Rappelez-vous pour le squat. Là, c'est un petit squat. On coule vers l'arrière. On soulève le bassin. On soulève pas pour vous en faire. Bassin vers l'arrière avec le droit. Les orteils relevés, avec les talons rentrés dans le sol. Allez, encore. 4, 3, 2. On fait une flexion, on pousse. Flexion et pousse. Extension au côté, en gardant la jambe de terre, fléchis. Hop. Donc la jambe qui est au sol, fléchis avec le pied vers l'extérieur. Hop. Et extension. Pas très haut, normalement on ne peut pas aller très haut par rapport à l'articulation de la hanche. Si vous montez, c'est que votre jambe est ouverte. C'est pas le but que chercher. Nous on va rester sur les côtés. Hop. Et on va rester côté droit. On pousse, on reste. On cherche son équilibre. On s'appuie sur une chaise, quelque chose, un palier, n'importe quoi. La jambe de terre fléchit. Pointe de pied à l'extérieur. On va travailler extension mais en même temps la jambe de terre. On a besoin de bouger les bras. On maintient, terminé, on se grandit, 4, 3, on reste en équilibre, allez, maintenant 15, on ne va pas rester longtemps, hein, c'est pas le but. Hop, hop, allez, encore 8, 7, 6, 5, on se maintient, on se grandit, ça vous aidera à rester, avec la flexion encore et l'extension, on repart, flexion et pousse, on maîtrise le bassin, hop, allez, encore, inspirez, soufflez. Et allongez le dos. On va rester de l'autre côté. Et on pose. Allez, vous pouvez garder la pointe du pied au sol à chaque fois. Le genou vers l'extérieur pour la jambe qui reste au sol. Avec le pied pareil. On se grandit, on ouvre les bras. On s'appuie si vous voulez. On passe pour l'air. Allez, encore. Et maîtrise, aspiration. On resserre la taille. On se grandit. Et une dernière. Allez. 5, 4, 3, on reprend la flexion, l'extension. Flexion, extension. Et hop, et souffle. Et rappelez-vous, 3,
mal, on ne prend plus. Et on reste en bas. 3, 2, 1, on lève. 3, 2, 1, on pousse. Hop, restez bien bas sur les appuis sur la jambe de ciel ou terre. Hop, encore. Lève, on pousse. Aspirez le ventre sur la balle au dos, on descend moins bas. Souvent, c'est parce qu'on descend trop bas et plus en avant. Hein. Donc, si vous regardez, l'important, c'est votre bassin en arrière. Hop. On repart pied droit et on reste à nouveau, si possible, carrément en équilibre. On maintient, on serre. Si on peut faire, on touche la pointe du pied au sol. C'est pas un souci. On dit ses doigts du bois. 4, 3, de suite, on change de côté. On pose et on repart. Maintien. Auto-grandissement de la colonne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'allongement tout seul. Grâce au muscle du dos, maintien de la ceinture abdominale déterminée. On repart au centre. Allez, ouverture. Et on reste en bas. Allez, encore. Déflexion sans remonter jusqu'en haut. On pousse. Point derrière. Levez les orteils. 4, 3, 2, on reste. On pivote. On entre les deux. On revient, deux, face côté. Hop, on revient. Le bas se défend, c'est important de tourner les deux pieds à chaque fois. Là, on revient au centre, deux pieds tournent. Surtout pour avoir les hanches, les genoux, les genoux dans l'axe. Hop, rappelez-vous, le genou avant, il reste au-dessus du pied. Si vous êtes plus serré, on peut vous pousser pour descendre. D'accord? Pour ne pas se faire mal. Sinon, on peut descendre plus bas. D'accord? Ça c'est possible aussi. Et au plus on descend bas, au plus on cherche l'ouverture. Allez, on maintient le bidou. On reste. Reste de ce côté. Allez. Donc là, vous voyez plus ou moins l'ouverture. Alors, si on est trop serré, c'est pas bon non plus. Vous allez être coincé dans le mouvement et tout le bidou va avancer. Par contre, si on a un petit bidou, on peut trouver une mettre comme l'hiver. Et on descend dans le pied. Au choix. On écrit, on se grandit, et pas toujours cette épaule alignée, si on maintient. La tapis sur la jambe avant, et allons. Talon fesse. La jambe avant, elle a toujours pas bougé. Soufflez, en ramenant le talon. Allez encore. 7, 6, 5. On tapis à peine derrière, on ne touche pas le talon. Hop, posez derrière, stop. On pose, on est dans le pas. Allez, hop. On tend pas complètement, hein. On se replace, on se grandit encore. 4, 6, 6, 5, 4, 3. On retient le centre et on reste encore. Allez, hop. Allez, bien ouvert, hein. Intérieur du jambe. Hop. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on change. C'est parti. On replace bien, son genou avant. Là, c'est bien le dos. On serre les abdos. Les épaules basses. Magnifique! On s'appuie sur la jambe avant, talon fait derrière. On garde le cas, la couverture. Souvent, on a tendance à revenir avec le derrière. Restez comme vous étiez. Hop. On se penche en avant. 4, 3, 2, on replante, on reste. Allez, encore. Replacez. Serré. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on sort. Allez, c'est reparti. Dynamique. Yes, yes, yes. Allez, on tire bon. Loin toujours en arrière. Protégez vos genoux. Protégez votre dos. Tout petit, on reste. Allez. Mini flexion. On garde l'ouverture. N'oubliez pas, mal au genou, mal au dos. On remonte un petit peu. 4, 3, 2, on marche comme ça. Allez. Sans faire de but. Si c'est pas possible pour vous, ça peut être juste de rejeter le talon. D'accord? Sinon, on laisse carrément le pied. Sans appui. Pas de bruit. On est léger. Un peu plus bas si on peut. Aïe, aïe, aïe. Ça va piquer, ça va piquer. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, on reste, on bloque, on descend, et on pousse.
rotation du buste. Travail de la taille. Et en même temps, les cuisses. Parce qu'on ne remonte pas. On reste en bas. Allez, encore. Pensez à bien céder l'intérieur, sinon vous sentirez tout le monde bien. Et travail ici pour bien aspirer le ventre, aspirer le nombril, contracter la ceinture abdominale, le périnée tournant au centre. On reste du même côté. Toujours le même. 4, 3, 2, on change. Et pousse. Loin devant. Tapis dans les cuisses. 4, 3, 2, un de chaque, on repart. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. On redescend parce que sûrement qu'on est en montée. Ouais, 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 j'en suis sûre. Encore 4, 3, 2, marchez. Wouh! On récupère un petit peu, je vous laisse pas un petit peu. Petite gorge, pas trop, hein. On repart. Aïe. On va revenir au largeur des hanches. Hop. On place le dos. On va aller derrière. Moins. On revient. Et l'autre jambe. Moins. Le plus important, c'est la jambe avant. Hop. Elle reste au-dessus du pied. Hop. Donc, il faut bien chercher l'arrière à chaque fois. Moins. Et deux squats. On change. Moins. On revient au centre. Protégez le dos. Après, vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Ça peut être petite. Hop. Vous choisissez. Et pousse. Pour l'instant, je ne peux encore pas vous crier dessus. Ça viendra. Encore. Et pousse. Hop. Toujours le maintien du dos. Hop. Hop. Si on peut, un de chaque. Pousse. Et uniquement si on peut. Si vous sentez que c'est trop difficile, ça peut être par rapport à l'équilibre, d'accord? Hop, vous gardez plus lentement. Ce qu'il faut, c'est garder la largeur des hanches. Vous ne mettez pas le pied derrière, hein, ok? Allez, encore. Hop, pas grave si on ne fait pas le même. Hop, allez, courage, encore 8, et 7, et 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On marche. On récupère à nouveau. On repart sur un petit travail du muscle. On fléchit les jambes toujours vers l'extérieur. Maintien de la ceinture abdominale. On creuse la taille en pensant au pantalon du petit. D'accord? Hop. On refait devant. Alors le but, c'est pas d'aller chercher trop loin la rotation, hein. Sinon, le bassin il s'en va. On bloque le bassin. C'est vraiment que la partie haute qui bouge. Rotation sur le haut, pas le bas. Si pour vous c'est plus simple, réfléchir davantage, réfléchissez bien. Ça va travailler un peu plus les jambes, c'est pas tout le temps mal. 4, 3, 2, on reste à droite. Pousse, pousse, souffle. Allonge le bras devant. Pareil avec l'épaule, hein. Si on ne veut pas, on fait le petit, ça ne change pas. L'idée de la rotation. 4, 3, 2, on change. Et moins, maîtrise. Comme en pilates, ça se passe à l'intérieur. On contracte, on respire. Allez, loin de côté. 4, 3, 2, 1 de chaque. Et pousse. Hop. Aspire, aspire le ventre si vous avez mal au dos. Vous mettez la rotation, pareil, hein, d'accord? Ça ne vous empêche pas de maîtriser davantage le ventre. 4, 3, 2, on relâche. On récupère. Petit ménage, on descend. Sur les genoux, sur les coudes ou sur les poignets, vous choisissez. Pareil, soit vous restez, soit vous pouvez crocheter les pieds. Dans tous les cas, on éloigne la ligne, l'épaule. Avec le coude, avec les poignets. On descend les épaules, on reste. Aspiration du ventre, nombril collé à la colonne. Et si on peut, avance, recule.
Attention les fesses, pas trop haut. Pas trop bas. Aligné avec le reste du corps. Si on a mal au dos, là par contre, on peut pousser un peu plus haut. Aïe. 4, 3, 2, on relâche. On va passer au sol, carrément. On a les câbles là. On monte. Bon, rappelez-vous. Sacrum à plat. Le dos naturel. Aspiration vivante. Contrôle du périnée. On regarde en haut. Et on va chercher le boost vers le plafond. Vers le ciel, si vous êtes dehors. Pas vers les jambes, non, surtout pas. Vers le haut. On aspire et on va chercher la hauteur. Si on a mal au cervical, on maintient un peu la tête. On soulage le cervical, on pose la tête dans les mains. Ouvrez les coudes, gardez le menton éloigné de la poitrine. 4, 3, si on peut, on reste. On ramène, hop, on pose. En dessous, on pose. Et encore. On essaye de bien lever à chaque fois, d'accord? Le genou. On reste d'un côté, toujours le même. Le genou est en l'air, toujours le même. Si jamais dans cette posture vous avez mal au dos, on peut ramener votre jambe, d'accord? Sinon on laisse au sol. Allez encore. Si on a mal au cervical, on peut poser pour relâcher aussi un petit peu. Hein. Allez, ramenez toujours un petit peu ce genou léger. 4, 3, on éloigne et on croise. Hop, et inspire, souffle. La jambe s'éloigne vers l'avant, alors vers le haut ou vers l'avant. L'important, c'est toujours ce maintien du bassin. Si vous sentez que ça creuse ou que ça tire quand vous allongez la jambe, c'est que vous allez trop bas, d'accord? C'est elle, c'est votre dos qui va vous déterminer votre amplitude. On croise à chaque fois en soulevant les deux épaules. On ne laisse pas l'épaule au sol, on lève les deux. Hop. On va ramener les poils contre le genou et non pas le coude. Ça, c'est pas bon hein, de fermer le coude. On ouvre, on reste en haut, ouvert. Et petit, on reste en haut. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche tout. On étire un peu le buste sans creuser le dos, hein, pour autant. Fais attention. On fera l'autre côté tout à l'heure. Les mains sous le bassin, si vous avez besoin de relever un petit peu. On va faire des ouvertures, des fermetures. Les épaules ouvertes, on repose les épaules au sol. Inspire, souffle. Ventre rentré, toujours contracté au niveau du périnée des abdos. Là, c'est pour travailler l'intérieur des jambes. Alors, si jamais vous voulez travailler davantage le bas du ventre, il suffit de descendre les pieds vers l'avant. Mais attention à votre dos. On peut plus vite poser le dos parce que vous avancez les jambes. D'accord? Donc je préfère que les jambes soient plus hautes, mais que vous restiez placé au niveau du bassin. Là aussi, si on a mal au dos, on fléchit les jambes et on fait la même chose, jambes fléchies. J'essaie de ramener les genoux, ça vous enroule un peu plus le bassin. On évite de se faire mal dans le dos. Normalement, ça devrait aller. Vous choisissez votre formule et on va changer en restant petit ouvert. Attention avec la crispation ici. Hein. Souvent on finit crispé, on monte les épaules ici. Non. On relâche tout. C'est le ventre qui maintient. Mais si c'est trop fort, on ramène, on fléchit. Il n'y a pas de raison de crisper sur le haut du corps. On maîtrise, on garde tout à l'intérieur. Deuxième série, on remonte, souffle. Aïe, aïe, là ça va commencer à piquer un peu. Hein. Alors, on a aussi que j'ai l'impression que vos jambes soient lourdes. Donc après, vous pouvez réduire l'ouverture. Si vous sentez que ça tire trop au niveau de l'aine, d'accord? Pareil, on choisit. Hop. Souffle, ferme, inspire, ouvre. Hey. Allongez le dos au sol, décontractez. On reste ouvert, deuxième fois. Allez, c'est parti. Du, 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 du.
plus que 4, 3, 2, on ferme. On décontracte. On va reprendre les hauts du corps. On lève. Donc au centre, comme on a fait tout à l'heure. Soit les deux jambes au sol, soit ramener sur la main gauche. On va chercher toujours la hauteur, maîtrise des abdos, aspiration du ventre. On fait une montée avec les genoux vers le nombril. On aspire les cuisses, d'accord ? Membres dégagés, ouverture des épaules. On soulage la tête. Alors attention de ne pas avoir la tête en arrière pour autant. Hein. La tête, on a l'espace d'une base de tennis à peu près entre le menton et la poitrine, d'accord ? Allez, on va lever. Hop, et six. Donc toujours, on va chercher le plafond sans sortir le ventre. Si vous sentez que vous sortez le ventre, c'est que c'est trop dur pour vous. Donc on monte moins, on ne monte pas du tout les jambes, d'accord ? On reste toujours du même côté. Ah, outil. Donc on change de jambes par rapport à tout à l'heure. Ne vous trompez pas. Sinon vous allez avoir un côté qui va être plus parce que l'autre, ça va être. Allez encore. Hey. On aspire, on maintient tout dedans. 4, 3, plus lentement et on croise. Éloigné, croisé. Hop, souffle. On souffle au moment de la levée du buste. Hein. Donc, comme tout à l'heure, on gère l'amplitude de la jambe, plus ou moins basse, en fonction du bassin. Les deux épaules se relèvent. Allez, on passe. Et on reste petit pour finir. Allez. Bien haut. Bien ouvert. Le coude aussi. Pas fermé. Il reste ouvert. On enlève une épaule vers le genou. 4, 3, 2, on lâche. On étire à nouveau et se grandit. Si on a besoin d'éloigner les jambes, on peut le faire. Mais toujours en maintenant son bassin placé. Ne cherchez pas à creuser le dos quand vous étirez. On repartira sur les ouvertures, on remet les mains sous le bassin, on choisit jambes tendues, plus ou moins basses, ou jambes fléchies, et on ouvre le fer. Replacez les épaules, gardez le placement du bassin, les abdos du périnée. Allez encore, inspire, souffle. On essaie de relâcher le cou, les épaules, les trapèzes, au-dessus on reste ouvert. Un jour à tel, on a mal au dos, on réfléchit davantage les jambes vers la poitrine et on fait la même chose. Moins d'ouverture et on continue quand même le travail. Plus ou moins bas, si on veut travailler le bas du ventre et si on arrive à maintenir le bassin en place. Allez, encore. On lâche le maintien du haut que ici. Hein. On repart à la fermeture. Tout et. Sans relâcher le bidou, hein, je comprends, c'est dur. Hein. Allez, encore. Hey. On reprend petit, dernière fois. Essayez de relâcher vos pieds. Hein. Hop. On tient, on tient. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche. On décontracte. Sur le côté. Donc là, vous avez le choix. On peut mettre le bras ici, le bras au sol, vous arrivez à mettre un petit coussin sous la tête. Vous choisissez. On est penché vers l'avant, légèrement. Les jambes fléchies. D'accord ? Donc on va tendre la jambe qui est dessous. Donc soit vous posez la jambe au sol. Soit vous posez le pied comme ceci, de la jambe qui est dessous, vous choisissez. Il ne faut pas que ça vous tire dans le dos. On tend la jambe qui est dessous et on fait des petits battements. Relâchez vos cervicales. Continuez à bien maîtriser le ventre. Aspiration, contraction, maintien. On creuse la taille. Descendez les épaules, vous lâchez. Il n'y a que là et là qui est contracté. Hein.
Là aussi, je vais être relâché. Ne vous appuyez pas trop sur la jambe au sol. 4, 3, 2, on reste. On monte, on descend. On monte, on descend. Allez, voilà. On a la deuxième. Allez, encore. Et la jambe qui est dessous. Voilà, super. Petit. Allez, on y va. Allez, c'est fini là. Oui, c'est ça, ma vie. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on repose. On ramène les genoux à la poitrine. On lève la jambe qui est dessus. On pousse et on ramène les genoux à la poitrine. On ramène, on pousse le talon. Et on ramène la jambe fléchie. Encore. Et inspirez les genoux, soufflez vos poussées. Là, toujours la tête relâchée, le haut du corps relâché, on pousse avec le talon. L'idée, ce n'est pas le tendre, vêtement dans le vide. On repousse quelque chose, on imagine qu'on pousse quelque chose avec le talon. Hop, vous mettez déjà, vous pouvez essayer l'articulation du genou, on pousse et on ramène. Souffle, ramène, encore. Ça vous travaille les fesses? Non, ça me travaille les pieds et les genoux. Ah, les genoux aussi, d'accord. Ah, allez, on reste tendu. On tend la jambe. On fait le petit battement. On se grandit, on se grandit. Là, le but toujours le maintien. On agrandit tout le long de la colonne. On relâche le pied, on relâche les épaules. Contraction des fessiers. Contraction de la cuisse. Jambes tendues au maximum. Talon, comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Allez, encore. On va faire des arcs de cercle, on va passer devant et on revient, toujours par le haut, devant, on ramène, allez on a changé de tête, devant et on revient, on passe que par le haut et on revient, voilà, hop, on va toujours contrôler son geste, d'accord, à aucun moment on lâche la jambe, on maintient le contact des fessiers. Et on pose pas, on se ferme dans la niche. On pose pas. Ça fait mal partout déjà. Allez. Le bassin aussi, si vous êtes trop derrière, vous risquez de basculer. Le bassin est fixe. On va pas loin, on reste 90. On revient dans l'axe. Allez, encore, encore. T'es fatigué? Pour les enfants. On reste devant, lâchement. Allez, 90 degrés si on peut. Si on ne peut pas, là, c'est la petite croûte. Il faut dans le dos, dans la tête. On redescend. Non, mais c'est bon. On ne peut plus être dans l'axe, d'accord? On avance quand même devant. Appuyez-vous là sur la jambe qui touche tout le sol. Si elle est trop loin, vous risquez de basculer. Ramenez bien vers la poitrine. Ah non, j'ai tapé sur la jambe. On bloque, on reste, on ne bouge plus. Vite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. C'est le dos. On récupère la jambe qui a travaillé. Et on retire. Décontracter un petit peu. Et on change du côté. Hop là. Bon, l'autre côté pareil. On repose la tête au sol. On relâche. On ramène la jambe qui est devant, donc soit sur le pied, soit sur le genou, au sol, et on lève. Et c'est là qui lève. Allez, petit battement, relâchez la tête au sol. Jambe tendue, d'accord, pour la jambe qui est au sol. La jambe qui est dessus, complètement relâchée. Pensez à avoir changé de jambe. En gros, celle qui travaille maintenant, c'est celle qui vient de finir de travailler. D'accord? Parce qu'on était sur la continue. Donc vous avez l'impression que c'est la même. Oui, en quelque sorte, c'est la même. Normal. Mon travail est copain. On pense au maintien du ventre. Toujours relâcher les cervicales. Poser le sol sur le bras ou sur le coussin. Évitez là, hein, je ne l'ai pas dit. Comment on prend les cervicales, hein. Gardez la position de pied. On tire sur les cervicales ici. Hein, tout à fait. On reste dans l'axe. Allez, on ralentit, monte, descend. Plus grand. Allez, hop. Allez, encore. 4, 3, 2, on relâche. On ramène les deux genoux à la poitrine.
la jambe de dessous, de dessus, pardon, qui va commencer. D'accord? Donc on ramène et on souffle. On ramène et on souffle. Genou poitrine et on repousse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie de bien à chaque fois garder la poussée avec le talon. Le but, c'est pas d'allonger bêtement, donc on cherche à pousser avec le talon, on tend la jambe et on vient contracter les fessiers. Gardez bien la jambe parallèle au sol, évitez d'aller chercher vers le haut, d'accord, ça sert à rien. On reste parallèle, on ramène un peu plus la jambe du sol si possible, comme ça on s'accroche. On rentre, on souffle. Inspire, souffle. On maintient toujours les abdos, le périnée, on n'a rien lâché là-dessus là. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et on reste tendu. Petit battement. Alors, tu fais ça. Elles sont moins là, ça va pas, hein. Allez, tendez les jambes, la jambe du cou. Il fait pire là. Allez, chercher. Allez, jambes tendues, toujours. Bien le talon, relâchez en fait. La jambe, elle peut être relâchée, c'est pas gênant. D'accord? Ce qu'il faut, c'est éviter que le pied fasse n'importe quoi. Tonique. Grandissez-vous à nouveau. Relâchez le haut du corps, maintenez les abdos, maintenez le pied, la taille. Allez, encore. On se grandit. Encore. Allez. Oh, j'ai des massages en même temps, trop bien. Arc de cerf, quand il y a devant, je suis chouchoutée. Hein. Allez, encore. Donc c'est là que vous avez peut-être besoin de ramener un peu plus la jambe du sol. Pas trop loin derrière pour éviter de partir en arrière. Hein. Arc de cerf, on ne monte pas trop haut. On vient devant. Replacez à chaque fois. Maintenez le bassin. On contrôle tout. Allez, courage. Encore 4 pour celui-là. 3, 2, 1. Et on reste devant. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, on contrôle. Pensez à penser par vous replacer toujours votre dos, à maintenir les abdos. Plus ou moins bas si on a vraiment trop mal. Allez, courage, il en reste 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Je vous tourne à nouveau. On récupère la jambe qui vient de travailler. On va replacer sur le gainage. Donc sur les coudes, sur les poignets, comme vous voulez, allongement de la colonne, la tête dans l'as. Sur les pieds, ou pas. On va lever une jambe à l'autre. Sans relever le bassin, hein. On n'est pas là. On fixe le haut, on fixe le bassin, il n'y a rien qui bouge. On souffle, on monte. Hop. Là, je ne peux plus tomber. Hein. Non, j'écrase tout. Donc, si on ne peut pas et que vous devez poser les genoux, c'est la même chose. On fixe le bassin et vous cherchez à éloigner la jambe à chaque fois. D'accord, c'est pareil. Souffle, ramène, inspire, souffle. Si vous sentez que c'est trop dur, replacer, vous relâchez entre l'exercice et reprendre quand c'est mieux. D'accord? Ça, c'est pas fini. Alors, ça, c'est un exercice à faire aussi. Merci. Allez, on souffle, on monte, on tient bon. Encore 4. 3. 2, 1, et on relâche tout. On décontracte. Et on va s'allonger sur le dos.
On va changer de chanson. On va s'étirer. Non. Donc on est sur le dos. Et on relâche. Les jambes sont fléchies. On ramène les genoux à la poitrine, on tient ses genoux. Et on masse le dos sur le sol. On va faire des cercles. Trois cercles dans un sens et trois cercles dans l'autre. On repose les pieds au sol, sur les côtés. On ouvre les bras en croix et on va poser les genoux sur le côté. La tête à l'opposé. Donc là, le but, c'est de chercher à étirer le dos. On garde les deux épaules en contact avec le sol. Si jamais vous trouvez que ça n'étire pas assez, on ramène un peu plus les genoux à la poitrine. Merci, bébé. Le fait de ramener davantage les genoux à la poitrine, ça peut faire davantage ramener tout le bassin sur le côté et ça peut vous étirer un peu plus au niveau du dos. On revient lentement, un genou après l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la même chose, la tête à l'opposé, les deux épaules, les deux omoplates au sol. Les genoux plus ou moins ramenés de la poitrine. On étire le dos, peut-être aussi les hanches. Et les épaules, ça dépend. On va passer sur le côté pour s'asseoir. Et on ouvre les jambes. Donc on va s'appuyer derrière avec les mains pour se grandir. Et on va enrouler les chevilles dans un sens. Dans l'autre sens. On va inspirer, lever un bras. On va avec l'autre, on va essayer de récupérer une partie du corps, n'importe. Et on va sur le côté avec l'autre bras. Donc on ouvre. Le but, c'est d'aller chercher la hauteur. C'est pas de venir fermer le rond. On se grandit à l'endroit. On inspire. On se trouve. L'appel du dessin animé. Ça a moins d'impact. Ça fait plus d'impact que la vie. Encore une fois, on inspire au centre, on se grandit, on étire la colonne vers le haut, on descend les épaules, on va sur le côté. Inspirez, essoufflez. On revient. Les jambes devant. Une jambe à l'intérieur. Petit flex. On descend le genou vers le bas, on inspire. Montez les épaules, puis descendez les épaules et on va chercher vers l'avant. Le but, c'est de repousser, de monter sur son bassin, d'étirer vers le haut et d'aller chercher en avant. Si on est là, vous pouvez descendre peut-être plus bas, mais ça n'étire pas grand-chose. L'idée, c'est d'aller chercher un minimum d'étirement. Donc pour ça, il faut ramener davantage le bassin en avant. On retient, on lâche. Et là, on va ramener la jambe fléchie par-dessus. Avec le bras opposé, on vient récupérer le genou. L'autre bras derrière, on se grandit, on pivote. On étire la colonne et en même temps, ça étire les fessiers et à nos coudes. Et on change. À l'intérieur, pour la jambe fléchie, on se grandit, on descend les épaules. Ah, tu reviens? On descend. Pas désanimé. Alors, on tend dessus. Et on va chercher devant. Et on revient. On va croiser la jambe, faire dessus. Avec le bras, on récupère. Et on massage. Ça, c'est bien.
et on pivote sur le côté. Allongez la colonne, grandissez-vous. Et on retient. On va revenir sur les genoux. On ouvre les jambes. On va fléchir un côté pour venir étirer l'intérieur des jambes. On va bien travailler cette partie. On change. Allongez la colonne, descendez vos épaules. On cherche toujours à ouvrir le genou ou à ouvrir la pointe du pied. Et on étire l'intérieur. Les deux jambes tendues. On va chercher loin en arrière, étirer à nouveau derrière les jambes. On revient doucement. Les pieds. On fléchit les jambes, les mains sous les genoux pour s'aider à se redresser. On a les jambes largeur des hanches. Une jambe devant, une jambe derrière. On fait toujours attention à son genou avant, dans l'alignement du pied. On fléchit la jambe arrière et on ramène le bassin. Donc là, on cherche à étirer le psoas. Peut-être pour certains, ça ne tira pas comme ça. Vous allez devoir chercher plus loin. Bassin dans l'axe. Au droit. Là ou là. Vous voyez ce qui vous étire plus. On revient. On change de côté, même chose. L'alignement du genou. Flexion arrière. Bassin en avant. On replace. Donc pareil que tout à l'heure. Plus ou moins loin en fonction de chacun. Au centre, on inspire, on étire vers le haut, on monte les épaules, on descend les épaules, on souffle. Et devant, les deux pieds ramenés, largeur des hanches, on pousse les deux bras devant, les deux pieds ronds, la tête entre les bras. Inspirez, ouvrez derrière le buste, basculez le bassin vers l'avant. Tire la poitrine, les épaules. Relâchez. Inspirez dernière fois. Et vous relâchez tout. Merci beaucoup pour cette séance. Bravo à tous. Bravo d'avoir suivi cette séance à nouveau. Donc, je vous retrouve demain pour la séance de CardioBox sur le groupe. Voilà, donc pour ceux qui nous ont rejoints, n'oubliez pas le sondage si vous souhaitez commencer les séances avec nous ou reprendre les séances avec nous à partir du 11 mai au plan d'eau s'il n'y a pas de changement d'ici là. Comme je vous ai dit, il y aura toujours les séances en ligne. On va faire notre possible pour faire les deux en même temps. Voilà, sinon je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez encore, donc pour ceux qui sont encore en confinement, il fait beau, on a de la chance, donc tant mieux. Je vous remercie encore. À bientôt, bonne soirée, bye bye.